Salut à tous, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 27 de la carrière de manager avec Lyon. Au programme de la vidéo, un premier match contre le Bayern de Munich en Ligue des Champions. On jouera ensuite contre le PSG en championnat à l'extérieur et pour finir, un match contre les Chamois Niortais en Coupe de France. Voilà le classement. En Ligue des Champions, on peut voir que c'est un match très important où il faut prendre un point pour être sûr de se qualifier en huitième de finale. Le match contre Paris est lui aussi très important car nous sommes à 2 points devant le PSG. Et en cas de défaite, le Paris Saint-Germain retrouverait sa place de leader. Les matchs à venir constituent donc un tournant dans notre saison. Premier gros match contre le Bayern Munich, l'équipe une est alignée. Il nous faut un point pour s'assurer la qualification. Et en cas de défaite, le Sporting Portugal pourrait nous repasser devant. C'est parti! Fin du match, 2 partout. Notre objectif est réussi, on a pris un point dans ce match. Alors que nous n'avons tiré que 2 fois, nous avons marqué 2 buts. Le Bayern qui a tiré 10 fois pour 5 tirs cadrés a marqué 2 buts aussi. Les buteurs du camp lyonnais sont Beauvue et Fekir. Chez le Bayern, c'est Lewandowski et Müller qui ont marqué. Match nul, 2 partout. Le tirage de Ligue des Champions pour les 8e de finale a été fait. Et on jouera contre le Real de Madrid, un des plus gros adversaires de la compétition. Ça va être très difficile, mais Lyon a déjà créé l'exploit plus d'une fois contre le Real. Et la qualification reste possible. Prochain match contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Un gros match nous attend et en cas de défaite, on laisserait notre place de leader pour le PSG. Voici la composition d'équipe de Paris et la nôtre. On ne change pas d'équipe, les joueurs sont tout de même un peu fatigués après leur grosse rencontre en milieu de semaine contre le Bayern. Mais il va falloir faire avec et ça commence très mal pour nous à la 3e minute avec ce but de Matuidi. Le 1-2 avec Sturridge est parfait et notre défense est battue. Derrière, Lopez ne peut rien faire sur la frappe du milieu de terrain français. 1-0. À la 12e minute, Sturridge donne la balle à Di Maria à l'entrée de la surface. La passe pour Nguenda qui tire. Le poteau nous sauve. À la 35e minute, on n'est toujours pas mieux avec Sturridge qui passe la balle à Di Maria. Il obtient un penalty, on ne sait pas trop comment. L'arbitre a un peu craqué sur ce coup-là. Mais bon, en même temps, ça se joue au Parc des Princes, donc une erreur de l'arbitre, c'est pas rare. Et heureusement, Lopez sort ce penalty. On reste dans la course pour revenir dans le match. Et on va revenir dans le match à la 54e minute avec Beauvue sur le côté droit. Première occasion pour nous avec Lacazette qui laisse passer la balle et frappe dans la lucarne. Égalisation d'Alexandre Lacazette à la 56e minute. 12e but, toute compétition confondue. On voit ici le tir du gauche qui bat Kevin Trapp. À la 59e minute, Claudio Beauvue, centre pour Valbuena qui place une tête. Mais c'est arrêté par le portier parisien. Et à la 77e minute, une frappe surpuissante de Tolisso repoussée en corner qui ne donnera rien. Fin du match, 1 partout, alors que nous avions très mal débuté la rencontre, on a su revenir dans le match, et on a même dominé les Parisiens en fin de rencontre. Claudio Beauvue a une très bonne note de 7,7 pour sa passe décisive, Alexandre Lacazette à 7,6, et il a marqué. Nul 1 partout, on reste leader de Ligue 1. Très mauvaise nouvelle, notre jeune défenseur gauche, Grimaldo, s'est blessé pour une durée de 3 mois dans le dernier match. Il sera donc indisponible pendant une longue durée. Prochaine rencontre contre les Chamois Niortais en Coupe de la Ligue.
On peut enfin faire tourner l'équipe et reposer notre équipe une. Bédimo est tout de même titulaire du côté gauche après la blessure de Grimaldo. C'est parti pour le match. Match qui commence dès la 22e minute avec cette récupération de balle suite à une erreur du gardien de Chevalier qui tire. La balle arrive sur la barre transversale. À la 26e minute, Gabriel part au but, mais le gardien réussit une bonne sortie. À la 40e minute, première occasion pour le Chamonix Orthez avec cette tête qui arrive sur la barre transversale. On a énormément de chance sur cette action. À la 58e minute, encore une occasion pour les Chamonix Orthez avec ce tir manqué devant la sortie d'Alisson par un joueur. Et à la 62e minute, Jordan Ferry part seul au but. Il rentre dans la surface et sert un caviar pour Gabriel qui finit d'une frappe très lente dans le petit filet. Ouverture du score à la 64e minute du Brésilien. On peut saluer sur ce but le très bon travail de Jordan Ferry qui amène le but et fait une bonne passe décisive. La dernière occasion du match est pour nous à la 78e minute avec Gabriel qui tente un lob mais magnifique parade de Sanz, le gardien Niortais. Victoire compliquée 1-0 contre une bonne équipe des Chamois Niortais qui s'est bien battue. 4 tirs pour eux, 1 cadré, 8 tirs pour nous, 5 cadrés. Jordan Ferry nommé homme du match. Les autres résultats connus à cet instant sont la victoire de Saint-Etienne au pénalty contre le Gazélec, la victoire de Nantes contre Rennes et la défaite surprise de Bordeaux contre Reims. Une autre mauvaise nouvelle pendant le match, Bédimo s'est blessé pour 2 semaines et nous n'avons donc plus d'arrière-gauche pour le prochain match contre Sochaux. Heureusement, Umtiti peut dépanner au poste de latéral, même si ce n'est pas son poste de prédilection. Pas de grand changement au classement après notre match nul contre le PSG, on est toujours à 2 points devant eux, tandis que Monaco est revenu à 4 points derrière le Paris Saint-Germain. Dans cette vidéo, on a donc joué 3 matchs, une victoire 1-0 contre les Chamois Niortais, un match nul compliqué contre le PSG et un autre match nul plus que compliqué contre le Bayern Munich de partout où on a complètement volé le match pour se qualifier en 8e de finale de Ligue des Champions. Dans la prochaine vidéo, on aura un match contre Sochaux en championnat, ensuite ce sera le Mercato et on aura une rencontre contre Lille, une rencontre contre Reims en quart de finale de Coupe de la Ligue. Et pour terminer la vidéo, on va jouer contre Monaco qui est 3ème au classement. 4 matchs prévus dans la prochaine vidéo donc. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Merci d'avoir regardé, salut!